C'est que tout le monde s'est rocksté et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est tout simple, on va juste juger YouTube Kids. Voilà, attention vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est pas un secret. Donc aujourd'hui on va juste voir, essayer de donner l'avis pour ceux qui voudraient savoir si c'est vraiment utile. Et aussi on va essayer de rigoler parce qu'on peut tomber sur des pépites. Du coup je vous laisse pas attendre plus longtemps, je balance l'intro et on se retrouve juste après pour la vidéo. Bouteille d'eau fait un... Je sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait la bouteille d'eau? Si elle fait un battle flip, je la respecte. Oh, elle a fait un battle flip! Bienvenue sur YouTube Kids. Bonsoir. Demande à un grand de t'aider. Oh là là. Je suis parent. C'est totalement faux, c'est... Avant de laisser votre enfant explorer l'univers de YouTube Kids, prenez quelques minutes pour configurer certaines options du contrôle parental. Du coup, on va configurer. Quel est votre âge? Personnellement, je suis né en 1084. Ok, 4 x 6, question extrêmement compliquée, hein. 8 à 12 ans. Ça veut dire qu'il y a des mecs, ils ont 12 ans et ils regardent YouTube Kids. Il y a un petit problème, juste un petit problème que je viens de penser. À 12 ans, tu es censé savoir combien ça fait 4 x 6. Bon, d'accord, bah, on va rien dire. Nous, on va prendre pour les tout petits. Mais pour les tout petits, il va y avoir que des dessins animés, c'est pas drôle. Ah, pour les plus grands, on va prendre parce que ça peut être plus drôle, tu vois. Ça, on lit jamais, mais on accepte. Oh, mais c'est un bail complètement différent. YouTube Kids. Je pense que c'est à peu près la même interface, mais pas du tout. Jeux vidéo. 11 Pokémon que tu as oublié. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Yo les trasheurs. Plus de 800 espèces parcourent... Ah mais c'est trash. Non, c'est une chaîne YouTube de... Oh, je sais pas, bon. Même si Pokémon a marqué votre enfance avec Pikachu ou Dracaufeu, il n'en reste pas moins que des Pokémon restent clairement au second plan, voire même disparaissent de votre mémoire. Et oui. En même temps, oui, ils mettent tellement de Pokémon dans Pokémon que c'est sûr que normalement, si on se souvient de tous, on est un génie. Découvrir les Pokémon dont personne ne se souvient. Chenizel. Chenizel. Oh, bien sûr que si je m'en souviens de celui-là, j'arrêtais pas de le trouver quand je jouais à Pokémon X. Bref, changeons de vidéo. Just a... Comment ça a l'air malaisant? Ah, je clique dessus. Attendez, c'est une vidéo qu'ils ont postée pour faire la pub de leur jeu. Du coup, c'est une vidéo pub. Oh non, c'est pas malaisant. En plus, ils parlent en chinois. Punaise, mais qu'est-ce que j'ai ça dans mes références alors que j'ai même pas commencé à me perdre vraiment. J'ouvre un restaurant burger. Oh, l'intro. L'intro de malade. Incroyable. J'espère que vous allez bien les amis. Ouais, il a la forme lui. Nickel. Comme d'habitude aujourd'hui les amis on se retrouve. Moi aussi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube Kids. Burger Factory. J'espère qu'il y a personne chez lui, hein. Et en ça c'était du nom de jeu mon pote. Ouvrir un magasin. C'est agressif de fou. Une pizzeria. Mais un restaurant de burger. Alors oui, il y a aussi une partie restaurant, tout ça et tout, mais bon, c'est, tu vois ce que je veux dire quoi. En gros, on va fabriquer des hamburgers et on va pouvoir... Fabrique des pizzerias. Quel bail. J'ai jamais joué à Roblox pour vous dire. Cette miniature m'attire. Cette qualité d'image ne m'attire un peu moins. Punaise. C'est quoi ça? Oh mais c'est 5 minutes craft mais genre de Wish. Non c'est horrible ce que c'est quoi leur truc? C'est nul. Bon j'ai pas envie de partir non plus en vidéo réaction sur des trucs de merde comme ça. Mais ouais. C'est pas ouf. Alors je veux juste voir s'il y a des vlogs. Parce que moi j'aime bien les vlogs. Yeah. Mais attends mais pourquoi j'ai que des trucs Barbie quand je tape vlog? Je ne cliquerai sur aucune miniature où il y a écrit Barbie dessus, faut pas croire. Non, attends mais. C'est pas possible. Il y a des Barbie pas. Mais quoi? C'est envahi par Barbie. YouTube Kids s'est fait envahir par Barbie. Hein. Alors je vais juste taper vlog sans S. Qu'est-ce que ça rend? Oh là là, ça a l'air bien ça. Salut les copains! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on vous montre notre quotidien et surtout celui des enfants. Car vous êtes très nombreux à nous avoir dit que vous n'aviez pas vu les enfants depuis très longtemps. Comme vous voyez. Ce qui est vrai. Comme vous voyez, ils vont bien. Bonjour copains. Wow. C'est malaisant. On est d'accord pour dire que tout le monde s'en fout de leur journée. C'est les corvées et moi aujourd'hui je fais la baguette.
Et attends, eux, ils ont combien d'abonnés, eux? 52 000 abonnés pour ça. D'ailleurs, en termes d'abonnés, hein, on a 30 abonnés, let's go. Ça fait plaisir. Bon, du coup, on va tout de suite se barrer de cette vidéo malaisante. Il y a plus de bureau? Ça m'empêchera pas d'apprendre. Waouh. Place une chaise sur tes genoux. Et d'accord, utilise-la comme bureau. Tout pour le savoir. Non, bah non, bah personne fait ça. Il n'y a pas de bureau, tu vas chercher un dans une classe d'à côté ou alors tu te pars du collège. Mais tu fais pas ça. Les jouets du grenier vlog. Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et mes copains? Et Gabine? C'est bien aussi. C'est soit Néné ou... Attendez, il y a trop d'informations malaisantes dans cette vidéo. La mère derrière, bon, on n'en parle pas. C'est quoi ça? On va avancer un peu dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est nul, mais attends, mais... Même moi, mes sujets de vidéo, ils sont mieux. Moi, je veux d'autres vlogs. Destination surprise en avion. Coucou, ça, par exemple, je ferais pas parce que j'ai pas les thunes. Comment ça va aujourd'hui? Et moi, les copains, et copines. Ouais, ça va bien, si. Mais attends, mais le mec, il a genre mon âge. Et il arrive à être malaisant. Effectivement, on est vendredi soir. On a terminé la semaine. Oui. On s'en fout. Et c'est le week-end. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ah, c'est une destination surprise, regardez, on est dans la voiture. C'est... On s'en va? Mais ouais. C'est du malaise. Oui, on part pour le week-end, effectivement. Donc comme vous l'a dit Néo, c'est une destination surprise. Est-ce que vous savez où vous allez? Oui. Oui, vous savez. Mais est-ce que les copains et les copines vont le savoir? Non. Peut-être à la fin de la vidéo, si vous êtes sage, on verra. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne part pas en train, selon Swan. On se déplace en ballon. Oui, bien sûr. Nous partons en montgolfière. Et eux, ils ont 5 millions d'abonnés, mais vraiment, je comprends pas les gens qui s'abonnent à cette chaîne. Les gars, je clique sur une vidéo de Noël Swan encore, je crois. Coucou. Ouais, mais c'est la dernière fois. Déjà, j'entends la voix de la fille, c'est déjà malaisant, elle a juste dit coucou, les gars. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, ouais, comment? Et copie? On espère bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Déjà, je comprends même pas ce qu'ils disent, là. T'as l'air bien excité, toi, petit cœur, hein. Tu veux y aller, tu veux y aller. Oui, on y va vite. J'en ai marre. C'est quoi ça? Ok, on arrive à la dernière partie de cette courte vidéo, ça va être vraiment courte. Donc on va juste voir si les youtubeurs connus sont sur YouTube Kids. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver pour Squeezie? Grande question. Eh ben, y'a que Mirador. Ok, bah y'a que Squeezie, y'a que Mirador. Bon bah, d'accord, pourquoi pas, hein. Amixem. Eh ben, toujours pas. Ah si, il est là. C'est Fanta France. J'aime toujours la qualité d'image, elle est incroyable, hein, clairement. Donc Amixem a toujours pas de vidéo. Mais vraiment, c'est quoi les grands youtubeurs du YouTube Kids à part Neo et Swan? Est-ce que la dictée vocale marche? Mastu. Oh, ça a trouvé. C'est incroyable pour les petits, la dictée vocale. Bon, bah, il y a clairement pas Mastu, parce que... Mastu, désolé, mais c'est René Latoupe qui apparaît à ta place. Il y a un problème. Trop, ça m'étonnerait qu'il y soit. Alors, non, il n'y est pas. Je confirme. En dernier, on va tester pour Joyka. Hein. Et bah, toujours pas, c'est encore Mirador parce qu'il a fait partie du truc de l'été, là, 2019. Mais il n'y a pas Joyka. Oh, si, attendez. Qu'est-ce qu'il y avait sa tête sur la miniature? Bonjour, je suis Tatiana, média auditif, travaillant avec les oracles. Hein? Chut! Posez-moi votre question, je vous en prie. Salut Tatiana! Attendez, c'est quoi ça? Quelqu'un qui fait des Playmobil et il a joué avec Joyka pour faire des vues. Bref les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous et tout. Je ne referai sûrement pas de vidéo dessus à part si ça vous plaît beaucoup. J'essaie de faire une vidéo par semaine. Voilà, allez voir, il y a Minecraft, il y a Among Us, il y a plein de trucs comme ça. D'ailleurs, Among Us vous plaît énormément, c'est vraiment la vidéo qui marche. Regardez dans mes stats, quand je vais trier les plus regardés, les trois premières c'est mes vidéos d'Among Us. Bon, sur ce, je vous laisse, c'était Oxtéon. Ciao.